Seigneur, nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui à la Tour Saint-Joseph, qui est la maison des indigents. Donc, on peut dire que c'est un peu aussi votre maison, car vous êtes un ami de notre famille religieuse et vous aimez beaucoup Saint des indigents. Vous êtes parmi nous aujourd'hui pour un moment de joie. Car une profession est toujours cela, un moment de joie et de grâce pour toute la congrégation. Et nous vous remercions d'avoir voulu accepter de présider cette cérémonie. Je suis sûre que les petites sœurs qui viennent de prononcer leur vœu perpétuel sont très reconnaissantes envers Don Marc Ephraim, abbé bénédictin en Irlande du Nord, qui leur a prêché la retraite préparatoire à la profession. Il n'a pas pu rester pour les accompagner aujourd'hui, mais je suis sûre qu'il a prié aujourd'hui d'une manière toute spéciale pour toutes les petites sœurs. Bien sûr, elles sont très reconnaissantes de l'aide de nos aumôniers, Monseigneur Émile Marcus et le cardinal Philippe Barbarin, qui n'est pas aujourd'hui parmi nous, mais il a envoyé hier un message que je vous livre. À la veille d'un grand jour, ma pensée et ma prière s'envolent vers Saint-Père. Je serai unie de tout cœur à vous et à l'ensemble de la congrégation pour la profession perpétuelle de vos sœurs. Que le Seigneur les accompagne de sa grâce tout au long de leur vie consacrée et leur donne de vivre leur vocation dans sa joie. Philippe, cardinal Barbarin. Voilà. Alors, tous les deux, Monseigneur Marcus et le cardinal nous ont apporté de l'aide et du soutien pendant toute cette année de second noviciat. Grand merci aussi aux prêtres qui nous accompagnent et qui se réunissent avec nos petites sœurs. Quant aux familles de nos petites sœurs, nous sommes unis par YouTube à toutes nos familles et à celles qui sont ici présentes aujourd'hui. Je décide de souhaiter à toutes la plus chaleureuse bienvenue. Il y en a qui connaissent déjà la Tour et d'autres qui viennent pour la première fois. À tous et à toutes, soyez les bienvenus. Nous avons une grande dette de reconnaissance avec toutes nos familles. Nos familles sont les premières bienfaitrices de la congrégation et nous assurons à tous nos prières quotidiennes à toute l'intention. Saint Jean du Grand va vous bénir tous pour les dons généreux que vous avez faits de vos filles. Et maintenant, après avoir traduit en anglais et en espagnol, je vais donner à chaque petite sœur son obédience, c'est-à-dire là où le Seigneur les attend chacune pour continuer à vivre joyeusement sa vocation. Je vais lire en espagnol et après ça sera en anglais, Mère Joseph. Monseigneur, estamos contentes de recibirlo hoy en la Tour Saint-Joseph, la casa de Juana Jugán. Podemos decir que es un poco también su casa, puesto que usted es amigo de nuestra familia religiosa y ama mucho a Santa Juana Jugán. Hoy está entre nosotras para compartir este momento de alegría, puesto que una profesión es siempre motivo de alegría y de acción de gracias para la congregación entera. Le agradecemos mucho que haya aceptado presidir esta ceremonia de profesión perpetua. Las hermanitas que acaban de hacer sus votos perpetuos están agradecidas al padre Abad Don Marc Ephraim, abad benedictino de Irlanda del Norte. Nuestra hoy no ha podido quedarse, pero Él les ha dirigido los ejercicios y reza por ellas. Por supuesto, nuestras hermanitas agradecen a nuestros capellanes, Monseñor Emil Marcus y al cardinal Barbarán, la ayuda que han tenido con ellos durante todo este año. El mensaje del cardinal Barbarán no lo leo porque ya lo he leído. Entonces, gracias a los sacerdotes que nos acompañan y que se alegran hoy con nosotras y con nuestras hermanitas.
Yo quisiera hacer mención especial del padre Silvanus, que acaba de ser ordenado sacerdote en Roma y que hemos tenido nosotras la alegría de poder participar a su ordenación, y viene hoy para la profesión de su hermana. Ahora me dirijo de manera especial a las familias de nuestras hermanitas, las que están presentes y las que están, que nos siguen por YouTube. A todos los que están aquí presentes les deseo una calurosa bienvenida, esperando que este tiempo que van a pasar con nosotros sea fuente de gracias. Nuestras familias son siempre los primeros bienhechores de la congregación. Santa Juana Cugán los bendice a cada uno y cada día, diariamente rezamos por todos, por las intenciones y las necesidades de todos. Ahora voy a dar, después de la traducción en inglés, las obediencias a cada una, es decir, la misión a la que el Señor las llama en este nombre, en este momento de sus vidas. Ahora, en inglés, please. Monsignor, we are very happy to welcome you today to the Lectio of St. Joseph, which is the home of Jian Zhigang. So we could also say that it is your home, since you are a friend of our religious family and love St. Jian Zhigang very much. You are here with us for a joyful occasion, because our profession is always a moment of joy and grace for the whole congregation. And we thank you for kindly accepting to preside over this ceremony. I am sure that the little sisters who have just made their perpetual vows are very grateful to Dom Mark Ephraim, a Benedictine abbot from Rostrever, Northern Ireland, who preached their retreat in preparation for the final profession. Unfortunately, he couldn't stay to accompany them today, but I am sure he is praying in a very special way for each one of you. Our little sisters are very grateful, naturally, for the help Archbishop Emil Marcus has given to them throughout their year in the second novitiate, and many thanks to all the priests who are here with us today, joining in the joy of our little sisters. To all the families of our little sisters, both here and those following on YouTube, I wish you all a very warm welcome. There are some who already know La Tour, others who are here for the first time, but to you all, on behalf of the little sisters, I say welcome. We hope that your stay will be filled with graces. We owe a great debt of gratitude to all our families. They are our first benefactors in the congregation, and we assure you of our daily prayers for all your intentions. St. Jian Zhigang will bless you for the generous gift you have made of your daughters. And now, Mother General Maria will give to each little sister her obedience, meaning the home where the Lord is waiting for each one of them, where they are going to continue living their vocation joyfully. Thank you. Provence de Colombie, Santiago de Cali. Sor André Giro Jesus. Provence de Rennes, Nantes. Sor Bernadette Ross. Provence de Chicago, Chicago. Sœur Esther of the Sacred Heart, Provence d'Afrique, Mombasa. Sœur Euphemia of the Cross, Provence d'Afrique, Enugu. Sœur Jean Francis, Provence de Montpellier, La Tronche.
Soliglia di Gesù. Provence de Chiria Argentina, Viña del Mar. Sonatia, perdón, Someri Polini. Provence de Oceani, Sydney. Sonatia Marie de la Croix. Provence d'Afrique, Oran. Sonia Francis, Provence de Lande, Kourou. Iñaki. Sœurs, vous sembliez applaudir vous-même chacune à la domination, à votre obédience. Nous sommes heureux avec vous. Nous vous félicitons. Nous sommes heureux de cette joie qui est donnée jour après jour, de commencement en commencement, tout au long de la mission, maintenant et demain et après-demain. Merci pour votre accueil à la Tour Saint-Joseph, Mère Générale, et vous toutes. Sœurs et amis, des petites sœurs des pauvres, je suis voisin, vous le savez, évêque du diocèse de Saint-Brieuc, au diocèse de Saint-Brieuc, de l'autre côté du mur, c'est plus loin déjà. Et je connais ma maison à Dinan. Je crois que c'est à Nantes que l'appellation de vos maisons sur ma maison. Petite sœur des pauvres. Avec vous, Monseigneur Émile Marcus, je connais bien cette maison à Nantes. Je vois que sœur est nommée à Nantes. Je suis originaire de Nantes. Mais avec vous, nous sommes conduits dans le monde entier, là où le Christ nous envoie, là où le Seigneur Dieu aime tous ses enfants, et particulièrement ceux qui sont dans le besoin, dans l'attente de soins, d'attention, d'amour. À travers vous, nous voyageons déjà par le cœur, par la foi et la communication de notre prière demeure et demeurera universelle. Merci de tout cœur. Bon vent, comme il y a un peu aujourd'hui, comme il y a souvent en Bretagne. Voilà, avec la joie que le Seigneur nous donne aujourd'hui. Merci pour votre accueil. Señor, me atreví a la verdad. Así, sé lo que va.